Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous remercie d'accueillir celui qui nous accueille aujourd'hui, en quelque sorte, Jean-Luc Renéro, qui est président de Synov PACA Corse. Bonjour Jean-Luc, pourquoi ce Rex BIM Tour ? Alors, la région Synov PACA Corse donc, gère l'ensemble des syndicats de la fédération Synov, donc au niveau local. Nous organisons régulièrement des colloques avec des thématiques centrées sur les trois grands métiers donc, de la fédération, conseil et ingénierie numérique. Et en même temps, nous essayons de créer des partenariats, de nous appuyer sur des acteurs locaux. Alors, nous nous sommes positionnés effectivement sur ce retour d'expérience BIM parce qu'il y a déjà 2 ans, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, nous avions organisé déjà sur Aix, dans le centre de sportif de Zinedine Zidane, un premier retour d'expérience où on avait essayé de caler les expériences donc, de la conception à l'exploitation autour du BIM. Et on avait croisé ça aussi avec des expériences au terrain autour de Lean Management. Donc il nous semblait tout à fait cohérent de nous intéresser effectivement à être dans la boucle de ce Rex BIM Tour. Et pour nous appuyer sur les acteurs locaux, ça nous paraît aujourd'hui, nous, important, ingénierie privée, de se mettre adossé à l'ingénierie publique et aux acteurs de la formation, parce que nous appartenons aujourd'hui à un OPCA qui demain devient un OPCO qui s'appelle Atlas. Et nous avions choisi donc de faire ce partenariat avec le NTE sur les conseils du CNFPT et de l'AITF. Et donc nous sommes heureux aujourd'hui, avec la directrice Madame Pastor, de signer une convention d'action autour de l'accueil de stagiaires, autour des enjeux de la formation et autour aussi de partage à travers des colloques et de participation de nos ingénieurs à des colloques organisés par le NTE. Merci Jean-Luc. Alors Madame Pastor, vous représentez aujourd'hui Monsieur Mattiucci, qui est le directeur de l'NTE d'Aix-en-Provence, mais également de Valenciennes. Voilà, c'est tout à fait ça. Approchez bien le micro, s'il vous plaît. Oui. Donc, je suis donc Marie-Josée Pastor et je suis directrice des études de l'ENTE sur le site d'Aix-en-Provence. Donc, mon directeur, effectivement, lui dirige l'ENTE implanté sur 2 sites, comme vous le dites, à Aix et à Valenciennes. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'ENTE, l'ENTE, c'est l'École nationale des techniciens de l'équipement. Nous sommes une école rattachée au ministère de la Transition écologique et solidaire. Nous formons, de par notre nature, les fonctionnaires qui vont aller travailler ensuite dans les services de ce ministère. Mais nous formons aussi, depuis déjà plusieurs années, puisque c'est depuis 2013, des étudiants, c'est-à-dire des jeunes non fonctionnaires qui ne se destinent pas à travailler forcément pour notre ministère. Donc ces étudiants vont aller travailler en bureau d'études, en entreprise ou éventuellement en collectivité. Et donc, voilà, nous sommes ravis de signer ce partenariat avec vous parce que tout ce qui concerne effectivement l'échange, l'organisation et l'animation de réseaux métiers ou d'animation de communautés de travail nous intéresse grandement puisque nous avons la volonté de diversifier l'accueil de nos publics en formation. Donc voilà, vous avez à votre disposition, sachez-le, un outil, le NTE, qui peut répondre à des besoins de formation de vos salariés sur des thématiques sur lesquelles, enfin, qui rentreraient dans nos champs de compétences, hein, nos champs de compétences étant tous les domaines que traite le ministère de la Transition écologique et solidaire, que ce soit les infrastructures, le bâtiment, l'aménagement, les risques, voilà, logement, habitat. Voilà, on peut répondre sur toutes ces thématiques-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Et puis, je dirais que nous-mêmes, on est intéressés par ce partenariat parce que vous représentez un réseau et que ce réseau, bien, on a envie aussi de l'activer pour vous faire venir dans nos formations, pour apporter votre expérience devant nos étudiants, venir avec vos projets, vos opérations, vos chantiers. Donc, vous venez montrer vos métiers et vos expériences aussi devant nos étudiants pour les accueillir aussi en stage parce que chaque année ils ont des stages à réaliser et donc vous êtes un réservoir potentiel d'accueil pour ces stages. Donc voilà, on est content de ce partenariat et j'espère qu'on aura l'occasion de vous
accueillir dans nos locaux, puisqu'au départ, c'était prévu chez nous. Et puis, votre manifestation a eu tellement de succès que notre amphithéâtre s'est révélé trop petit pour vous accueillir. Mais j'espère que nous aurons l'occasion de vous réaccueillir chez nous et de vous faire visiter nos installations. Je veux dire aussi que nous avons une activité au niveau de l'école qui est intéressante à savoir. Nous pouvons concevoir et produire aussi des ressources pédagogiques numériques utiles à de la formation à distance. Donc ça aussi, voilà, on a une vraie compétence sur le sujet formation à distance avec une équipe qui travaille à tout ce qui concerne donc la conception et la production. Donc ça aussi, voilà, c'est une info utile à savoir. On a mis un petit peu de documentation concernant l'école en sortant de la salle là, sur votre présentoir. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, il n'y a pas de souci, on est à votre disposition. Et je veux citer aussi, si vous me permettez deux petites minutes, le fait que nous avons aussi monté un partenariat avec le CNAMPACA et avec le CFATP de Malemort pour une licence en alternance pour des apprentis donc, qui ouvre à partir de septembre 2019 une licence qui s'appelle maintenance et gestion d'un patrimoine d'infrastructure. Parce qu'il y a des gros besoins hein, au niveau de la fédération des TP pour avoir des jeunes qui vont travailler dans la maintenance et l'entretien des infrastructures et des ouvrages d'art. Donc cette licence issue d'un partenariat à trois voit le jour à cette rentrée de septembre 2019. Donc voilà, je voulais aussi le signaler. Merci beaucoup, voilà. Marie-Josée Pastor. Merci à vous. Merci. Cette diversité des métiers, on la retrouve, que vous citiez tout à l'heure, on la retrouve au sein de la Fédération Synov. Magali Cotave, vous représentez aujourd'hui Frédéric Lafage, président de la Fédération Synov. Vous êtes vice-présidente en charge de la communication, la formation. Chez Synov, qu'elle soit continue, initiale, même l'apprentissage qu'on évoquait tout à l'heure, c'est important. Alors d'abord, merci beaucoup, parce que je suis ravie de représenter Frédéric Lafage et de signer cette convention aujourd'hui. C'est plus qu'important, c'est fondamental. Au travers de l'OPCO Atlas, on est impliqué dans les démarches de formation, mais aussi tout au long de la vie. Et je crois que le partenariat qu'on signe aujourd'hui avec une école de qualité renommée participe à la multiplication des connaissances. Et oui, c'est important pour les prestataires intellectuels. Très bien. Il ne nous reste plus qu'à faire cette signature. Alors profitez-en, si vous voulez immortaliser ce moment avec le hashtag RexBeamTour qui s'affiche à l'écran. C'est le moment, donc à vous. La balle est dans votre camp. Vous pouvez mettre devant, si vous voulez. Allez, n'hésitez pas. Oui, je ne sais pas ce qui se passe. Le son a baissé. Christophe, le son a baissé. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'on peut vous applaudir, hein. C'est un geste important. Jean-Luc, vous restez avec moi pour introduire le sujet du jour, poser le contexte un petit peu. Trois personnes vont nous rejoindre. Il s'agit de Julien Mercier, qui est vice-président de Synov en charge de la prospect sur la scène, s'il vous plaît. Les nobles ont le confort. Vice-président de Synov en charge de l'innovation et de la prospective. Gilles Charbonnel, président d'ADN Construction. Vous pouvez les accueillir. Et Bernard Michel, qui est représentant du groupe de travail BIM. Michel Bernard, oui. C'est ce que j'ai dit. Encore une fois. On ne va pas s'en sortir. Ouais, au bout de la troisième, voilà. Pour présenter le groupe de travail Synov BIM au sein de l'EFCA, vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure. Alors, Julien, vous êtes animateur national du groupe de travail BIM de Synov. Expliquez-nous pourquoi aujourd'hui, ce RexBIM Tour, j'en ai dit quelques mots en introduction, mais c'est votre sujet, vous êtes expert du sujet, donc... Quelles sont les attentes et dans quelle stratégie ça s'inscrit, ce RexBeam Tour, aujourd'hui, mais également toutes les autres étapes?
Alors le Rexbeam Tour a été créé en fin d'année dernière. Donc on a eu une première opération début décembre. Il va se déployer sur 3 ans. On a environ 4 à 5 dates par an. Alors pourquoi le Rexbeam ? C'est que aujourd'hui, on sait tous que le monde du bâtiment est fortement impacté par le numérique au sens large. On ne va pas parler que de BIM d'ailleurs, c'est le numérique au sens large. Et au niveau de nos adhérents, qui sont essentiellement des TPE-PME, certains étaient assez perdus, perturbés par toutes les annonces qui étaient faites, les communications. Et on souhaitait être, comme vous l'avez dit, assez concret sur ce qui se passait réellement sur le terrain. Et donc, on a souhaité inviter des entreprises, des maîtres d'ouvrage, des architectes, bureaux d'études, pour nous présenter effectivement la réalité du terrain, qui est bonne ou mauvaise. On n'a pas de filtre par rapport à ça. On n'est pas là pour évangéliser le BIM. On est là pour dire quelle est la réalité, mettre en avant effectivement ce qui est positif, ce qui l'est moins, les préconisations, etc. Et on souhaitait surtout, parce qu'on parle beaucoup de collaboratif dans le domaine du BIM, mais on s'aperçoit qu'en fait, les gens ne collaborent pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de silos qui sont faits au niveau des architectes, bureaux d'études, maîtres d'ouvrage, etc. Et on a souhaité aussi mettre tout le monde autour de la table, et les éditeurs également, parce que je remercie nos partenaires au passage, et la formation, ça a été évoqué, c'est très très important. Et il est important que tout le monde discute, échange, et que chacun sache, quelles sont ses attentes vis-à-vis des autres. C'est ça en fait, collaborer aussi, c'est se dire, j'ai des besoins, tu peux aussi me donner de l'information, etc. On parlait de la formation, typiquement aujourd'hui, il est important que les entreprises, les maîtres d'ouvrage puissent faire remonter justement leurs besoins pour que les écoles puissent identifier les formations de demain. Ça, c'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a quand même souvent un décalage entre les formations initiales, notamment en école d'ingénieurs, et les besoins réels des entreprises. Aussi, c'est d'avoir aussi des gens, des maîtres d'ouvrage, des architectes et des bureaux d'études, qui puissent discuter aujourd'hui, par exemple, pour voir quelles sont leurs difficultés, comment ils pourraient mieux travailler ensemble. Effectivement, on parle souvent d'outils, de plateformes collaboratives, c'est souvent nécessaire, voire indispensable sur certains projets. Mais pour nous, ce qui est très important, c'est l'humain. C'est de dire si les hommes et les femmes qui font des projets en BIM n'arrivent pas à travailler entre elles, s'entendre et échanger, communiquer, quels que soient les outils mis en place, ça ne marchera pas. C'est très, très important pour nous. Donc l'humain, c'est vraiment au cœur du sujet. C'est pour ça qu'on est tous là et qu'on ne fait pas des choses via Internet ou je ne sais trop quoi. On est là tous ensemble et on va échanger tout au long de cet après-midi. Je tiens à souligner la qualité des 4 REX qui vont être faits. Vous allez voir, c'est assez sympa. Alors, je ne les connais pas dans le détail, mais j'ai pu voir ce qu'il y avait parce que j'ai participé. Je vous confirme. Voilà. Donc, je pense que ça va être une très belle journée. Et une fois de plus, concentrons-nous sur l'humain. Tant qu'effectivement, toutes les parties prenantes des projets ne sont pas, on va dire, en phase et ne comprennent pas les attentes de chacun, le BIM, pour moi, ne fonctionnera pas. Ce n'est pas qu'un problème d'outils, c'est l'humain, la formation, ce que j'ai dit. Voilà. Merci Julien Mercier. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est aussi l'occasion de dialoguer, d'échanger en vrai, entre guillemets, au-delà des projets professionnels qui vous rassemblent. Michel Bernard, donc vous représentez Synov donc, au sein de la Task Force BIM de l'EFCA. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'EFCA dans un premier temps ? Oui, bien sûr. Donc, je représente effectivement depuis 1 an et demi environ, puisque je rejoins Synov et le groupe de travail piloté par Julien. À cette époque-là. Et donc, FK est, fédère tous les équivalents de Synov et, pour le cas de la France, de Syntec à l'échelle européenne. Et il y a également une structure qui s'appelle FIDIC à l'échelle mondiale, dont le but est de rassembler en fait les efforts de toutes ces instances, de toutes ces associations nationales, et de faire valoir les besoins des filières qu'elles représentent auprès des instances internationales, et notamment dans le domaine de la normalisation, dont je me suis principalement occupé depuis 1 an et demi. Donc concrètement, dans ce groupe de travail auquel j'ai participé, nous avons étudié la norme ISO qui vient de sortir il y a environ 6 mois, donc une première série de normes, en tout cas, dont la 19650. Voilà, 19650, qui est une norme qui traite avant tout des problèmes de management de projet, donc des problèmes justement dont parlait Julien, d'organisation des équipes, de ressources humaines, de définition des attentes à la fois du client, de la maîtrise d'œuvre, de la maîtrise d'ouvrage. Et donc cette norme qui n'a pas du tout un but aujourd'hui de spécification technique, de modélisation, ce qui est le propos de choses qu'on connaît par ailleurs, traitées par MediaConstruct, donc les fameux IFC, cette norme définit et précise comment on travaille dans le domaine d'un projet BIM et pourquoi.
et à quel objectif on doit s'astreindre et à quel résultat, en tout cas, quel attente à la fois de encore une fois de la partie cliente, mais également de la partie maîtrise d'œuvre. Donc le groupe de travail a étudié. Alors là, ce sont des transparents que vous pouvez retrouver. C'est pas la peine s'apesantir là-dessus. Précision, la plupart des présentations d'aujourd'hui seront partagées avec l'ensemble des participants mis en ligne sur le site de Synov dans un second temps. Donc concentrez-vous sur les intervenants pour les prises de notes. Voilà, sur l'essentiel. Merci. Donc, bon, ce petit schéma représente la complexité des normes en question, où apparaissent effectivement ce dont je parlais tout à l'heure, les travaux sur les IFC, donc la partie assez technique, on va dire. Pour ce qui concerne l'ISO jusqu'à présent, 19650 a traité encore une fois des aspects gestion de projet, s'attaque aujourd'hui aux problématiques de la sécurité des données dans le cadre d'un projet donc de collaboratif. Donc tous ces sujets sont traités. Aujourd'hui, ce qui est sorti et donc sur quoi nous avons travaillé sont deux éléments de la norme qui définissent effectivement le côté méthodologie. Donc notre groupe de travail a analysé les documents techniques de l'ISO. A trouvé qu'ils étaient un petit peu complexes à appréhender quand même, et ça c'est assez normal, c'est un peu le principe général de ces normes, elles sont très générales, mais en termes d'application, de mise en œuvre, on a besoin d'être aidé. Donc nous avons réalisé un guide qu'on a appelé petit livre, bouclette en fait sur la norme, qui vient d'être terminé au mois de mai dernier, qui est un guide d'utilisation, de mise en application de cette fameuse norme de 19650, qui est désormais disponible sur le site d'ailleurs de Synov ou de l'EFCA directement, en version anglaise, et que nous avons le projet de traduire très rapidement, en collaboration d'ailleurs avec la Fédération Syntec, de façon à le mettre à disposition de tous les utilisateurs potentiels. Il s'agit d'expliquer comment appréhender la norme avec les particularités de chaque pays, et précisément, en termes d'organisation, on sait très bien que les pays latins ne vont pas travailler nécessairement de la même manière que les pays nordiques, et ainsi de suite. Donc il y a l'aspect profilage par pays, mais surtout de bien comprendre les enjeux, de bien répéter ce qui est important dans cette norme, c'est-à-dire les aspects de méthodologie de travail, donc de management de projet, et encore une fois revenir effectivement aux aspects essentiels de comment faire en sorte qu'une collaboration soit opérationnelle, soit positive et permettre d'arriver au résultat. On retrouve l'enjeu du travailler ensemble. Hein, voilà, c'est le travailler ensemble dont on parle essentiellement dans le cadre de ces normes. Donc, un document qui est disponible, pour l'instant en anglais, qui aura une version française très rapidement, je l'espère, qui ressemblera sur 36 pages avec des annexes complémentaires. Ce sont des extraits qu'on voit à l'écran. Voilà, c'est des extraits qu'on voit à l'écran, c'est documenté. Alors, j'aurais peut-être dû rappeler que la norme ISO, qui est quand même le point de départ nécessaire à tous, elle est aujourd'hui disponible aussi en langue française quand même. Vous pouvez vous la procurer sur le site de l'ISO ou du CEN ou de l'AFNOR, je pense, maintenant. Et le document, donc, elle est, alors, une précision quand même, c'est une norme qui est payante. Hein, donc, un coût de l'ordre de 200 euros environ. Par contre, le booklet, donc ce petit guide d'utilisation de la norme, lui, sera gratuit et disponible sur le site de la Fédération très rapidement. Voilà. Merci beaucoup. On va enchaîner avec vous, Gilles Charbonnel, donc président d'ADN Construction, également représentant Synov au sein d'ADN Construction. Cette manifestation aujourd'hui et toute la démarche menée et lancée par Synov dans le contexte du BIM s'inscrit dans le cadre d'une stratégie et aussi d'un contexte politique particulier. Il y a un plan national du BIM. Donc effectivement, cette action s'inscrit complètement dans les actions du plan BIM 2022, dont ADN porte 7 actions sur 8. Juste pour revenir... sur ADN Construction. Voilà, ADN Construction a été créée en juin 2017. Elle était composée à l'époque, puisque beaucoup nous ont rejoints depuis, et des partenaires d'ailleurs, puisque je vois Emmanuel Di Giacomo, donc Autodesk nous a rejoints aussi depuis. 12 organisations professionnelles, composées de maîtres d'ouvrage public avec l'USH, privé avec la FPI et la LCA-FFB, donc une représentation de maîtres d'ouvrage, une représentation de la maîtrise d'œuvre avec l'UNGE, l'UNSFA, Synov et l'Untec. Donc pour sortir des anagrammes, les géomètres, les architectes, l'ingénierie et les économistes de la construction. Les entreprises avec la CAPEB, la FFB et EGF BTP. Et puis, on ne pouvait pas
se passer d'organisations professionnelles comme l'IMCC et la FIEC, qui représentent les industriels du bâtiment. Voilà. Donc ça, c'est pour les membres, les 12 organisations professionnelles. Les missions d'ADN, c'était de rassembler les acteurs de la construction autour de ce projet du numérique dans le bâtiment. Je reviendrai là-dessus. Représenter la filière de la construction dans le numérique. Informer les acteurs de la construction. Donc, quand je dis informer, les actions comme le Rex BIM Tour sont complètement dans cette démarche. Promouvoir les outils collaboratifs et interopérables. Être acteur de la normalisation, on vient de voir les actions que nous avons sur la normalisation avec la norme ISO, et contribuer à la définition du cadre juridique du numérique, parce que, bien évidemment, autour de tout ça, il y a de la propriété intellectuelle, des échanges de maquettes, un travail sur une maquette commune, parfois, donc il faut cadrer juridiquement tout ça. Et surtout, là, on rentre dans le domaine de l'information, mais aussi de la formation, aider les acteurs à monter en compétences. Voilà. Un sujet, encore une fois, central. Tout à fait. Le plan BIM, vous en parliez en introduction. Le plan BIM 2022, de quoi s'agit-il? Quels sont les objectifs? Alors, il y a deux axes. Généraliser la commande en BIM dans l'ensemble de la construction. Donc là, on travaille plus sur tout ce qui est convention entre acteurs. Et puis, déployer le BIM dans tout le territoire et pour tous, grâce aux outils adaptés. C'est le plan lancé par le ministère. On l'a voilà, pas c'est précisé, ça. Hein. C'est le plan lancé par le ministère et qui vient en complément du plan transition numérique du bâtiment, du PTNB, qui avait été lancé 4 ans avant. Donc on reprend au travers aussi du plan 2022 les actions qui avaient été menées par le PTNB, bien évidemment. Si vous pouvez continuer. Donc les deux axes prioritaires, on a vu. Je vous laisse appuyer. Axe 1, on peut y aller. Donc l'axe 1 est composé de quatre actions principales. Action 1, fiabiliser et sécuriser la commande en BIM. Donc on retrouve au travers de cette action 1 toutes les conventions entre acteurs. On vient de finaliser le cahier des charges de convention maîtrise d'ouvrage avec la maîtrise d'œuvre. Simplifier le contrôle et l'autocontrôle du projet. Là, on est plus dans des missions organisationnelles de contrôler la maquette, contrôler les projets. Définir et assurer la prise en compte des besoins de la filière au travers des normes. Accélérer et faire converger, ben c'est effectivement, on l'a vu tout à l'heure avec la norme ISO, mais il y a aussi tout ce qui tourne autour des catalogues industriels ou catalogues numériques ou d'objets. Donc tout ça est dans l'action 3. Pardon. Un observatoire. Action 4, voilà. Et action 4, un observatoire du BIM dans la construction. Donc observatoire, aujourd'hui, on a besoin... Pour justement cibler toutes ces actions, on a besoin d'avoir des remontées de terrain pour savoir comment est perçu, qui travaille en numérique, avec quels outils, quelles sont les procédures mises en œuvre. Donc là, on est en train de travailler sur un observatoire qui va se faire avec des remontées directes sur la base de déclaratifs CERFA, de permis de construire, par exemple, et puis sur des enquêtes qui seront faites au sein des acteurs, auprès des acteurs. Ouais, on peut peut-être passer, je viens de redéfinir, action 2 pareil, action 3 normalisation, voilà. On a vu. Vous aurez encore une fois le détail. Voilà, hein, Axe 2. Axe 2. Quatre actions également. Donc l'action 5, développer les outils de formation accessibles au plus près des territoires. Donc là, on est bien dans la formation des acteurs. Là aussi, on en parlait tout à l'heure, Julien l'évoquait tout à l'heure, on est vraiment proche de l'humain. C'est-à-dire qu'on veut sortir aussi un peu de formation purement logicielle et purement produit. Donc là, on va aller vers des formations de management du BIM, de processus. Donc là, on se tourne vers la formation continue et vers la formation de base et initiale. Évaluer sa maturité en BIM et le faire reconnaître par tous. Donc là aussi, il faut que les gens puissent mesurer leur niveau de compétence. Où j'en suis aujourd'hui. Voilà, où j'en suis aujourd'hui. Et surtout, alors là, on est proche du domaine de la certification et de la qualification. Sur laquelle ADN et le plan BIM 2022 ne veut pas aller pour l'instant parce qu'on n'entraînerait pas assez d'acteurs. Mais par contre, on veut essayer au travers de cette action de mesurer les compétences de chacun et que chacun, au travers d'une grille unique, puisse mesurer
les compétences des acteurs dans son projet. Un maître d'ouvrage, au travers de ses grilles, pourra mesurer la compétence BIM de son architecte et des bureaux d'études. Voilà. Et idem pour de les rendre autonomes aussi dans le tout pilotage à fait. Des BIM. Et idem aussi pour les entreprises, pour que la maîtrise d'œuvre puisse mesurer leur niveau de maturité. Constituer un écosystème dynamique à travers de l'action 7 permettant à l'ensemble des acteurs d'échanger au niveau local, eh ben on est complètement dans l'action 7 avec le Rex BIM Tour, puisque c'est véritablement faire vivre les échanges, démontrer et démystifier, démontrer que le numérique ne s'adresse pas qu'aux gros projets, ne s'adresse pas qu'aux grosses entreprises, et qu'à travers des projets de moyenne importance et en région, on peut aussi insérer des parties numériques. Comme l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Comme l'événement qui nous réunit aujourd'hui, et les quatre sujets qui vont être abordés plus tard vont nous démontrer que c'est le cas. Permettre aux permettre aux acteurs de collaborer concrètement en BIM. Donc cette action, elle est portée, c'est la seule action qui n'est pas portée par ADN, elle est portée par le CSTB, puisque le CSTB a développé la plateforme publique Croquis et l'écosystème qui tourne autour, c'est-à-dire tous les outils qui sont autour de Croquis. Donc Croquis est une plateforme, on va dire étatique, puisqu'elle est étiquetée DHUP. Cette plateforme a été voulue par les acteurs pour pouvoir être utilisé par tous les acteurs, justement. C'est ouvert et c'est disponible. C'est ouvert, d'accord. Et c'est gratuit. C'est gratuit, d'accord. Pour l'instant. On va dire ça comme ça. Pour l'instant. Non, le but, c'est d'entraîner les acteurs autour d'une même base, de pouvoir échanger sur une même base. Cette plateforme Croquis a été développée déjà au travers du PTNB. Donc, elle a été développée avec les partenaires que l'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire tous les acteurs étaient autour de la table pour mettre en place le cahier des charges. Donc, elle a beaucoup d'avantages et elle permet aussi de remonter des informations et d'avoir déjà une partie observatoire. D'accord. J'ai développé les actions, on peut passer. Sinon, on va prendre beaucoup de temps. Là, c'est pareil, c'est sur l'action 7, on peut passer. Action 7. Dont le BIM Rex Tour en est une. Oui. Croquis, on l'a vu. On l'a vu. L'action 8. Voilà. Donc vous retrouvez au travers de Croquis. Donc vous pouvez, Croquis est disponible. Hein, vous pouvez la retrouver sur le site Croquis, K-R-O-Q-I. Et vous retrouvez tous les outils qui sont liés à Croquis. Voilà. Voilà, justement, juste pour vous dire que le numérique, c'est pas magique, tout le monde. C'est pas automatique. C'est pas automatique. Tout le monde peut se retrouver autour d'une action numérique. Je crois qu'on a tous un rôle à jouer. Alors, je vais prendre ma casquette d'ingénieur, et de maîtrise d'œuvre. Je crois qu'on a des vrais rôles à jouer. Et le rôle de l'ingénierie, justement, c'est de démystifier auprès des entreprises qui sont les partenaires, de démystifier le numérique et de pouvoir aussi accompagner les entreprises dans cette démarche-là. Leur montrer que la maquette que l'on fait dans les phases conception peut être utilisée en exécution, peut leur servir de commande auprès des fournisseurs, peut leur servir de point d'échange, peut permettre aussi une meilleure compréhension du projet auprès des équipes, soit des équipes qui chiffrent en études, soit des équipes qui réalisent, puisqu'on a quand même une vision avec la maquette et les datas qu'on retrouve, parce qu'on parle beaucoup de graphisme au sein de la maquette numérique, mais on a énormément de données data. Je pense notamment à l'économie, où on va retrouver des fiches produits avec, on peut citer des exemples sur les portes, des degrés coupe-feu, la peinture, la protection basse, la qualité de serrure, la programmation. Donc, au travers du BIM, on a effectivement de la valeur graphique, mais on a aussi énormément de valeurs data. Et je crois qu'il faut que tout le monde trouve son intérêt au travers du numérique. On est en train de travailler, nous, dans mon cabinet, sur les échanges de fichiers et comment rendre
interopérable, le fichier... On ne va pas du tout en parler aujourd'hui de ça. Voilà. Le fichier, par exemple, de ferraillage d'une poutre ou d'un poteau qui va pouvoir directement être utilisé par le ferrailleur pour débiter et former les cadres et débiter les barres sans qu'il y ait d'intervention autre que celle de la machine. Voilà. Donc ça, je crois qu'on peut trouver des intérêts... Tous les acteurs peuvent trouver des intérêts autour du numérique. Mmh. Voilà. On a déjà une belle communauté régionale réunie aujourd'hui. Merci Julien Mercier, merci Michel Bernard, merci Gilles Charbonnel.